Salon de réflexion, vous êtes partout dans le monde en train de nous suivre sur Congo Live. Notre réflexion de ces jours s'articule autour de la vie politique en RDC. Voilà pourquoi nous recevons pour vous un analyste politique en la personne à qui j'ai dit bonjour et bienvenue sur nos antennes. Bonjour, maître. Bonjour, madame Naomi. Merci de nous inviter. Nous avions été émerveillés à notre arrivée ici. Nous avons inspecté votre chaîne et nous la trouvons très efficace, et c'est ici, je voudrais dire, l'occasion pour nous de vous féliciter pour ce travail des titans que vous ne cessez d'abattre. Continuez sur cet élan. Nous saluons nos aimables téléspectateurs, les agents et cadres de votre chaîne. Merci, maître. Et tant que analyste politique de notre pays, comment définissez-vous le climat politique actuel? Bon, écoutez, madame, sans embâge, j'aimerais être clair avec vous. Je n'ai pas les thermomètres pour mesurer la température du climat politique de la République, mais étant politique moi-même, un politique actif d'ailleurs, je voudrais, en fait, comme endroit, dire que le climat politique en République démocratique du Congo se trouve être en contrôle total de la situation politique elle-même, parce que, comme moi-même, vous aviez suivi les porte-parole du chef de l'État, M. Kasongo Mayamayama, qui nous a dit que la situation politique de la République est sous contrôle. Et moi, je préfère me fier aux institutions de la République. Alors, la première des institutions de la République, par l'entremise de son porte-parole, nous a dit que la situation est sous contrôle. Donc, s'il faudrait parler du climat politique en République démocratique du Congo, le climat se trouve être apaisé et sous contrôle. Coup d'État raté, c'est quoi votre réflexion par rapport à cet événement? Oui, madame, je voudrais ici que nous ne puissions pas concaténer les choses, que nous ne puissions pas chambouiller ou discamajonner les unes. Donc, nous devons être clairs et nets. Lorsqu'on parle d'un coup d'État, ici, il faudrait déjà évoquer un principe qui vise directement la personne du président de la République. Il n'y a pas de coup d'État si la cible n'est pas le président de la République. Donc, pour que l'on parle de coup d'État, il faudrait que l'on vise les chefs de l'État. Et donc, il faudrait ici rappeler par ailleurs que vous appelez cela coup d'État raté, mais ça signifie qu'il y a un complot, ça signifie qu'il y a un agenda qui est en train d'être voulu exécuter par certains ennemis de la République. Parce que dans une République démocratique, lorsqu'il y a tentative de coup d'État, ça signifie qu'on veut inaniner le peuple tout entier. Parce que le chef de l'État, président de la République, est garant du bon fonctionnement des institutions, lesquelles institutions composent ou sont composées des compatriotes, donc des Congolais qui ont été choisi en lieu et place de toute la population. Donc, si on veut attenter à la vie du chef de l'État, ça veut dire qu'on veut attenter à la vie de tout un peuple, madame. Parce que le président de la République est le choix populaire. Il est le choix d'une volonté populaire, d'une expression de toute la République démocratique du Congo. Il y a élection dans ces pays, pour vous rafraîchir la mémoire. En décembre 2018, ici de ces élections, nous avions eu un nouveau président. Donc, entra son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc, l'expression volontaire de la population qui est allée aux urnes pour choisir Tshisekedi Tshilombo comme président de la République, vouloir démettre, vouloir déjouer, vouloir défaire, vouloir zéloter le président de la République, ce serait une guerre engagée contre toute la République. Et donc, il ne faudrait pas que les gens prennent ça à la légère. Nous, nous nous en remettons au Seigneur Jésus-Christ, le maître des temps et des circonstances, qui, par son amour, parce que je suis chrétien, il faut le dire, qui a gardé et protégé son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mais cependant, ici, pour finir, c'est l'occasion de mettre hors état de nuire tous les ennemis de la République démocratique du Congo. Si vous voulez faire coup d'État, allez le faire pour quelqu'un qui se trouve hors mandat. Si vous voulez faire coup d'État, allez le faire pour quelqu'un qui se trouve être
au pouvoir par les mécanismes des forces ou des contraintes, mais pour quelqu'un qui est une expression volontaire, vouloir les démettre par la voie des armes, ce serait commettre une erreur irréparable pour toute la vie. François Béat, à l'auteur de cet événement, qui pensez-vous de ça? Je ne voudrais pas parler comme tout le monde, puisque moi je ne suis pas tout le monde. L'ancien conseiller, il est aujourd'hui ancien parce qu'il y a quelqu'un qui avait été choisi pour jouer son intérim, que je salue en pensant, l'inébranlable, l'indéfectible Jean-Claude Boukassa. Vous savez, lorsque l'on choisit déjà quelqu'un d'autre pour jouer l'intérim à votre place, soit que vous êtes dans un état d'empêchement définitif, soit que vous êtes en déplacement, soit alors que vous venez de décéder et que l'autorité compétente pouvant prendre le principe des nominations ne sait pas donner le luxe de nommer, mais préfère d'abord notifier les adjoints de celui-ci pour jouer l'intérim. La personne qui a été remplacée doit comprendre qu'il y a un problème. Et donc, puisque vous citez l'ancien conseiller du chef de l'État, l'ancien conseiller spécial en matière de sécurité, François Béat, nous avions suivi qu'il se poursuive des auditions au Conseil national de sécurité. Ce sont des questions vitales pour la survie de la République tout entière. Il ne faudrait pas les aborder avec légèreté ni encore babillage, madame. C'est ici l'occasion pour nous de ne pas se taire, mais plutôt d'analyser cette question avec beaucoup plus de sénérité, parce que c'est une question qui relève d'une portée, d'une haute facture, d'une portée qui relève d'un caractère sacré, parce qu'il s'agit là de la sécurité de la République démocratique du Congo. Et donc, nous pensons que les auditions qui sont en train d'être faites au Conseil national de sécurité et à l'Agence nationale des renseignements sont faites d'abord en respectant les droits humains de celui-ci, puisque même en état d'arrestation, je suis avocat, je sais de quoi je parle, même en état d'arrestation, les détenus ont toujours des droits lui garantis par la Constitution de la République, les textes et lois de la République. Et donc, nous avions appris sur les ondes de certaines chaînes que M. Béat se trouve être en état de détention, puisqu'il y a une audition qui est en train d'être faite, et nous avions suivi, mais également que ces droits humains, que ces droits les plus inaliénables lui sont garantis et respectés. Mais cependant, nous nous confions au service étatique pour que l'on établisse les responsabilités de chaque personne, madame. L'on ne peut pas vouloir attenter à la vie du chef de l'État et continuer à prendre son verre d'eau dans la tranquillité. Ah non, ah mais non. Parce que le revers de la médaille, c'est de l'outrage, c'est de l'attentat à la vie du chef de l'État. Voyez-vous, madame, la vie du président de la République dans notre système constitutionnel, c'est la vie la mieux protégée, madame. Vous ne pouvez pas traiter le président de la République comme vous traitez votre monsieur chez vous ou comme vous traitez votre dame. La vie du président de la République, c'est une vie, voudrais-je dire, sacrée. Et vouloir la rouiller, vouloir la tripatrouiller ou la tripoter, vous devez alors avoir bien pris votre médicament, parce que le revers de la médaille, c'est que vous devez répondre de vos actes, madame. Parce que c'est dit qui tout double, madame. Vous voulez attenter la vie du chef de l'État, ben, et attendez-vous à toutes les conséquences y afférentes. Donc, nous, la population congolaise, nous, l'Union pour la démocratie et le progrès social, nous sommes confiants que le président de la République, les différents généraux de la République, donc tous les services sécuritaires, parce que le président de la République, c'est le commandant suprême. Voyez-vous, madame, c'est le magistrat suprême, c'est le premier d'entre les Congolais. Donc, en tout ce qui se passe dans notre pays, le président de la République est d'abord le numéro un. Donc, étant commandant suprême, nous pensons que le président de la République avait conseillé une réunion qui avait abrité la présence du Conseil supérieur de la défense, et ces derniers ont réitéré leur loyauté au président de la République. Ceux qui s'aventurent à vouloir semer le chaos dans notre pays, ils vont s'en prendre à eux-mêmes. La population congolaise réitère son indéfectible soutien au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que ce choix de Jean-Claude Boukassa, est-ce qu'il a vraiment bien, parce qu'il a travaillé pour, il était assistant de François Béat, le mettre comme adjoint intérim, est-ce qu'il a un prudence très... Non, madame, même pas. Et j'aimerais que ceci soit suivi. Jean-Claude Boukassa, c'est quelqu'un que je connais particulièrement.
Donc, je suis le plus heureux pour vous parler ou décrire la personne de son excellence, monsieur le conseiller spécial ad intérim du chef de l'État en matière sécuritaire. D'abord, je peux mettre un bon nombre de personnes ici en défi, nombreux ne les connaissent pas. Il n'est pas d'abord connu du commun des mortels. C'est vraiment un flic, c'est vraiment une intelligence. Voyez-vous, madame, il n'a pas été choisi comme assistant principal de François Béya par manque d'expérience ou d'intelligence. Ah, mais non. C'est parce que M. le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a toujours joué au jeu de l'imbécile. Il s'est toujours fait imbécile pour que ceux qui sont devant lui, qui croient qu'il est imbécile, aillent dans leur imbécilité avec une pensée erronée et qu'à la fin des comptes, c'est lui qui sort toujours champion. Et donc, M. François Béya a fait ce qu'il pouvait faire, mais je crois que le temps de la traîtrise est passé. Je crois que le temps de saccager, le temps de s'embrouiller est passé. Le temps de s'emberlificoter, voilà le vocabulaire que je voudrais utiliser, est passé. Maintenant, il s'agit d'une tête bien faite et bien pleine. Monsieur Boukassa, c'est une intelligence assidue, avérée, aguerrie, pour avoir échangé dans son bureau à la Cité de l'Union africaine au Conseil national de sécurité. Je me suis dit que le président de la République, je n'étais pas seul, j'étais accompagné avec la base Zoumbou de l'IDPS, nous l'avons entendu et nous avons reformulé des demandes pertinentes au président de la République que s'il faudrait sécuriser la vie de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et même chapeauter les conseils nationaux de sécurité, il faille quelqu'un comme Jean-Claude Boukassa. Ce n'est pas une nouvelle figure comme d'aucuns le disent. C'est un ancien collaborateur, fidèle, loyal collaborateur au président de la République. Et vous ne pouvez que voir que parmi tous les assistants principaux de l'ancien conseiller spécial en matière de sécurité, François Béya, le président de la République a fait son choix sur Jean-Claude Boukassa, lequel choix est à féliciter et à applaudir parce que le président de la République ne se trompe jamais. Les chefs du chef de l'État, J.C. Boukassa, qui nous suit en ce moment, envers qui nous adressons nos sincères félicitations et nous renouvelons notre indéfectible soutien, madame. Vous avez bien suivi. M. Mukendi, ça fait déjà 5 jours depuis que M. François Béya a l'air pour la banquette et tout. Et comment vous pensez à ça? Parce que deux fois, quand on voit ceux qui ont tout à gagner, étant qu'une autorité aussi, 5 jours, c'est quand même trop. Au moins 2 jours, pratiquer le temps. Vous êtes avocat pour voir son avocat et parler pour aller directement à la procès. Pourquoi maintenant un délai? Madame, si vous voulez que je vous donne toute une matière sur les droits des procédures pénales, je suis dispo, je vous y invite. Si Soko Kokina ko salisa émission Moro Yasika, où nous ne pouvons que parler de la procédure pénale en République démocratique du Congo, je suis dispo et moi je vous y invite. Mais ici pour le moment, madame, je ne sais pas si vous voulez être complice à ce qui se passe, madame. Il s'agit de la sécurité de l'État. Donc, madame, quand vous parlez de que 5 jours, jour pour jour, M. Béya est en train d'être auditionné, madame, c'est parce que si. L'auditeur, n'est-ce pas, qui est en train de rechercher des éléments probants, qui est en train de chercher des indices. Vous avez suivi le porte-parole du président de la République qui a dit qu'il y avait des indices sérieux de culpabilité qui pèseraient sur certaines autorités, madame. Ne voyez pas les jours qui ont fait que celui-ci soit gardé. Voyez plutôt la question, la teneur de la question. Il s'agit de la sécurité du président de la République. Moi-même qui vous parle ici, j'ai fait l'intelligence. Je suis ce que je ne peux pas vous dévoiler ici à la télévision. Mais quand il s'agit de la sûreté de l'État, quand il s'agit de l'attentat à la personne du chef de l'État... Madame, on ne veut pas créer une quelconque confusion. On veut se rassurer que le président de la République elle-même, ne sont pas en danger. C'est de cela qu'il s'agit, madame. On ne peut pas aussi, c'est quand même un haut dignitaire, c'est quand même une haute personnalité, être conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État, gérer le Conseil national de sécurité, madame, ce n'est pas chose facile, ce n'est pas mince affaire. Ce n'est pas comme un chevet qui tombe dans la soupe, non, madame. Il faudrait faire très attention. Donc,
vous devez comprendre ici que le fait que celui-ci soit retenu dans le bureau de l'ANR signifie qu'il y a des indices sérieux de culpabilité qui pèseraient, je parle au conditionnel entre guillemets, mais laissons les services de sécurité continuer l'audition et établir des responsabilités. Selon vous, vous êtes avocat, basé sur l'enquête, est-ce que c'est toujours important que Babimissa, que la population ait maintenant numéro Moko, ils assistent, tout. Est-ce que c'est toujours important? Madame, la lettre n'a pas été adressée à la population. L'adresse, la réquisition. Après, quand on fait tantôt ça l'enquête, c'est quand même en privé, non? Et après l'enquête, tout ça et tout, et après on peut y annoncer, c'est ça? La réquisition a été faite et rédigé par le numéro 1, chef de service, M. Mbelou, qui saisissait, n'est-ce pas, les services du réseau Orange Mobile pour que ces derniers lui transmettent les informations. On appelle ça en droit, c'est un réquisitoire, n'est-ce pas? Et il est obligatoire. Il revêt d'un caractère obligatoire. Aucun service ne peut refuser de répondre à ces réquisitoires de monsieur, les chefs de service de l'ANR. Mais ici, il faudrait rappeler une chose, madame. Le fait que ces documents aient été publiés, lus par les communs de motel, ça s'appelle transparence, madame. Ça s'appelle transparence. Et donc, l'enquête. Vous comprenez la gravité de ce. Madame, l'enquête n'est pas à confondre avec la réquisition qui avait été faite. L'enquête, ou l'instruction, si vous voulez, parce qu'en droit, on appelle ça instruction, est secrète, n'est-ce pas? Et les secrets de l'instruction ne sont pas à divulguer. Et vous et moi ici ne savions pas les questions qui avaient été posées. À titre d'exemple, à M. Béa, vous pouvez ici me citer ou me prononcer. À titre d'exemple, une seule question posée à M. Béa, vous serez incapable, moi également. Donc, pour vous dire que l'instruction était secrète et les secrets de cette instruction demeurent. Parce que vouloir exposer cette instruction, c'est vouloir voir la nudité des anges, madame. Et la nudité des anges n'a jamais été vue. Et donc, ce n'est ni vous ni moi qui allons demander à ce que les secrets de cette instruction nous soient mis sur la place publique. Mais cependant, la réquisition ou les réquisitoires de messieurs, le chef de l'ANR qui saisissait les services mobiles Orange, puisqu'il passe sur les réseaux, c'est tout à fait normal en termes de transparence que les communs de motel s'en saisissent, madame. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de violation des droits d'instruction. Merci, monsieur Moukédi. Parlons de ce qui s'est passé. Je suis mieux à l'aise quand on m'appelle maître. C'est la centralité qui m'a amélioré jusque dans la tombe. D'accord, maître. Parlons un peu de ce qui s'est passé à Matati Kibala. Tout le monde qui va découvrir, et puis ma maman, et puis au Matika qui puisse. Mais tout le monde qui joue au Kouyango, autorité, un peu comme qui sur place et tout. Mais après, on remarque qu'apparemment, le dossier est un peu comme ça. Té, maman, Kouyango, le dossier est un peu comme ça. Parce que le président de la République, ce qui a déplacé de son bureau le travail pour qu'on m'en allie, moi, quoi, ça, l'inspection, et moi, comme on m'a déplacé. Et ici, nous voulons. Parce que la vie humaine est sacrée et lorsque de manière insibite, imprévue, on vient en enlever les vies humaines, il s'agit là des actes méphistophélitiques qu'il faudrait compatir ici na Baoyo, ba Koufelaki. Mais cependant, Mokonzamboka a Komaki sur les lieux, il s'est imprégné de la situation, il a compati avec sa population comme d'habitude d'ailleurs, mais et bah, responsabilité à partager. Au moins, il n'a pas qu'au Kaboul Amawa. Mais cependant, il faudrait ici, Binoboza, bah, journaliste, vous avez le devoir de former et d'informer. N'est-ce pas, madame? Donc, il fallait qu'on informe, bah, tout que, place où on a, de bah, Talisagi Mokonziamboka, et Zali, zone non en définitive. Donc, et ça, est-ce que mon bateau, bah, qu'on fait en daté? Bah, tout bah, qu'on t'écarte. Mais est-ce que mon bateau, bah, qu'on t'écarte? Des ans déjà, à Moyo, on a grand marché. Et puis, on a marché au Matati Kibala, la place d'événement, les Salimaki. Normalement, il fallait déjà être vraiment marché. Mais il y a eu un rapport de marché. Maman, au moins, l'État, bah, j'ai raconté. Parce que celui que maman, on a pas ça, qui n'a qu'à ça, ou il y a quatre marchés. Mais il y a eu un rapport de marché.
Omoni Mokonzi, justement, Omoni Mokonzi Mboka, Outanaye, Congo central, il est passé par Matadi Kibala. Au Conseil des ministres, un vendredi, il a proposé à ce que va délocaliser marché à Matadi Kibala, va tomber là-bas, maman Nandé, Sikamonsous. Mais lié au drame Salamaki, justement, selon les informations requises auprès des autorités de la Société d'électricité nationale, bah, il y a des gens ba peki sa moto mon côté place wana et donc ba kotonga yango parce que na kati kuna place ba ya côté c'est pareil na grand marché justement pareil na grand marché deux ans yango déjà depuis ba kanga yango ba te ka rentrer na ba coin na ba libanda et tout alors jardinier aux États-Unis quoi tout le marché. Je ne crois pas être porte-parole du gouverneur Gentini Ngobila, mais je pense pour ma part que il n'est pas bouche bée ou il n'a pas croisé ses bras. Il travaille mordicus et en train de mouiller d'ailleurs sa veste pour que justement des solutions dragonniennes soient prises. Parce que madame, vous savez, la République démocratique du Congo, c'est un continent, madame. D'autant qu'il y a des problèmes à Matadi Kibala, d'autant que certains problèmes sont résolus à Lemba, d'autant qu'il y a des problèmes dans la commune de Kinshasa, d'autant que des problèmes sont résolus à Bandalungwa, d'autant qu'il y a des problèmes à Kitambo, d'autant que des problèmes sont résolus à Mongafula. Donc, c'est pour dire que la République aquatique du Congo tout entière et notamment particulièrement la ville province de Kinshasa est tellement vaste que lorsque Bazo Bongisa a ou un moko quelconque, on a pas problème ezali. Petit à petit, l'on est en train de surmonter les défis et on croit que ça ira, madame. Ayez bon espoir. Penses-tu que le président Félix Tshisekedi a zo mérité chanceuse à soi des amendes? Ah madame, motuna na yo ezali très amusant. Si d'abord et puis c'est un avocat qui l'a dit. J'aimerais que vous puissiez mesurer la teneur et la grandeur de ma réponse. Si nous n'étions pas dans une république, moi personnellement, et l'ensemble de la République démocratique du Congo, nous n'aimerions pas que Tshisekedi ait seulement un deuxième mandat, mais nous aurions souhaité que le président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, soit ainsi et qu'il ne soit pas soumis à un mandat, qu'il travaille jusqu'à ce qu'il finisse ce qu'il a à donner à la République et qu'il s'en aille. Parce que quelqu'un comme Tshisekedi lui donner à vouloir, madame, je ne sais pas moi, quel vocabulaire pourrais-je fonder encore, mais seulement que... Non, madame, c'est ce que le président avait dit. Je vous mets en défi. Je mets quiconque en défi qu'il m'apporte une vidéo ou qu'il me ramène... Le président a dit ceci. Mboka Oyo... Et si Ekoufa... Non, madame, laissez-moi parler. Mboka Oyo et si Ekoufa, il place une virgule. Et il dit bisotoye pour nakoto mula yango. Bisotoye pour nakula musa yango. C'est différent de dire que mboko ici est koufi. Vous mettez un point barre. Ce n'est pas. Non, madame. Madame, permettez-moi. Okomema bako ngolomani na buluyeke. Le président de la République a sali. C'est comme quelqu'un qui est en train de dresser un tabloïd. Il reconnaît que d'abord batubabo maki mboko yo biso. Et donc, ça voudrait dire que, madame, ces pays, justement, qui ont beaucoup essayé Koufaka. Mais le président de la République, Félix Antoine, est arrivé, madame, grâce à Tshisekedi Tshilombo, étudiant les lobes dans la bourse, ce qui n'était pas fait. Ils ont dit riche, ils ont dit bourse. Aujourd'hui, les étudiants sont boursiers. Grâce à Tshisekedi Tshilombo, madame, s'il vous plaît, que je finisse de tracer quand même un bilan conséquent. Grâce à Tshisekedi Tshilombo, les lobes étudiants sont dans la bourse. Au bali komata ba ko futa mwambo moko insignifiant pour na ko komana habiter la likolo grâce à Tshisekedi Tshilombo enseignant wa zalaki na 100 000 francs aujourd'hui c'est 400 dollars mais que ça 800 000 francs congolais madame grâce à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tozali na canalisation ya ba recette publique madame au moins budget longo de 4 milliards à 10 milliards madame ça ce n'est pas mince affaire madame et donc quelqu'un comme ça wali ko tuna ngai Fortuna Mukendiza ce qui président de la République ali ko mérité deuxième mandat mais ce qui na boy on risque de me lapider je serai vomi par le peuple congolais je ne peux que dire ce que le peuple dit le peuple veut un deuxième mandat le peuple veut Tshisekedi Tshilombo comme président dans ce pays. Mais des choses que j'étais en train d'énumérer ici. Ah, il est estimé à plus de 90%, hein, madame. 90%, madame. S'il vous plaît.
Tu peux regarder la... Je parle de 90% des réalisations des promesses faites par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ce qui, les 10% d'ailleurs, c'est ce qui est resté à faire, madame. J'étais au Kassai dans la tournée avec le Président de la République. N'est-ce pas, madame? J'ai vu les réaliser, j'ai vu les projets qui sont en cours, madame. J'étais avec le Président de la République au Congo central. Madame, vous voyez que l'on a un port, il y a banane, construction des ports profonds dans l'eau des bananes, madame. Vous voyez que les gens ont rapporté les Congolais, combien d'emplois, madame. C'est aujourd'hui avec le Président de la République, toi, comme on a une entreprise publique, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu sais que la magistrature suprême, parce que tu as dit concourir, madame. Mais tu as dit que tu as dit que liste à candidature, tu as dit que 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 tu as dit Commission électorale nationale indépendante. C'est dans une république de Félix Tshisekedi Tshilombo que Makambo Yali ko salama madame. C'est avec le président Félix Tshisekedi que tomoni ke mokonzi mboka ali ko déplacer à quel visiter mboka naye parce que drame salam quelque part batou bakufi madame. Vous aviez un président ici, je ne sais pas, quelqu'un me faisait rire qu'il jouait au Nintendo tout console, il n'avait pas le temps d'être proche de son peuple, il n'avait pas le temps de compatir, il n'avait pas le temps de communier avec sa population. Et vous avez un président comme Félix Tshisekedi, madame, qui se déplace de son bureau pour aller pleurer avec sa population. Donc, il mérite pas seulement un deuxième mandat, mais il mérite une continuité indéprescriptible. Pardon? Je dis qu'il mérite pas seulement un deuxième mandat, mais il mérite continuité moko indéprescriptible. Et penses-tu que dans 2 ans, est-ce qu'il y a pas atteint 100%? D'abord, dans 3 ans, il s'est reconnu que Sali Makambo est belé. Dans 2 ans, il s'est au monde, il y a des alliés à Baction, il y a des axes par axe et projet à 145 territoires. Jusque dans mon village natal, où il peut être couru à la raté, il y a un processus de développement. Et ça, nous avions des gens qui étaient venus jouer au pouvoir, madame. Dans ces pays, nous avions des gens qui étaient venus concocter la richesse de la République démocratique du Congo. Madame, depuis Ofandi, soyons quand même clairs et nets. Depuis que tu es là, on t'a montré un bâtiment appartenant au président de la République? Non, madame, ça ne se dit pas. On t'a appris que non, tout le monde est là, il y a mon salibou. Non, parce que la République s'égère de cette façon. Et donc, les Congolais regrettent d'ailleurs pourquoi, pendant tous ces 60 ans d'indépendance, nous n'avions eu pas une tête comme celle de Tshisekedi. Wow. D'accord, merci, maître. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Le mot de la fin. J'invite le peuple congolais, j'invite la population tout entière à avoir espoir et à avoir confiance au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Paris ne s'est pas construit en un seul jour. Le président avait fait une promesse de faire de la République démocratique du Congo l'Allemagne d'Afrique. C'est voilà pourquoi il est en train de mouiller sa toge présidentielle afin que ce pays puisse redorer du blason de son image qui avait été terni, qui avait été froissé, qui avait été chiffonné, massacré par les ennemis de la République. Ensemble, soutenons le président de la République et ceci dit, je crois que le président de la République portera notre combat au plus haut niveau. Merci, maître. C'est moi qui vous remercie. Ça a été pour moi un grand plaisir de vous présenter cette émission, ce moment de réflexion. Alors, restez connectés, restez branchés. Bye bye.